Hello, salut à tous! Bon, aujourd'hui, on va se voir pour euh, parler un peu de. quelque chose d'un peu plus frais. Hello, Sleeping Wolfie. FBI est là, les ninjas aussi. HugoG. E euh, du coup, aujourd'hui, on se voit pour euh, parler un petit peu de, de, de sujets un petit peu plus euh, légers. Hello, Shanty Game. Hello, Warsoft. On va parler de, 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 de choses, donc je vous dis un peu plus. Euh, un peu plus fun, jusqu'à maintenant on a programmé pas mal de choses euh, en mode console, c'était peut-être un, peu euh, un peu moins sexy que, que de réaliser un jeu vidéo ou des choses de ce type là. Et en fait aujourd'hui on va aborder justement quelque chose qui, euh, qui, euh, qui va nous permettre d'aller un peu plus loin en fait, surtout au niveau euh, créativité. Donc en fait ce qu'on va aborder là, ça va être l'utilisation de la CSFML. Donc la CSFML, en fait, c'est quoi C'est une librairie graphique. Oh, attendez. C'est une librairie graphique, en fait, qui, euh, qui se base sur la SFML. Alors, si on regarde un peu... Donc, voilà. La SFML, c'est une Simple Fast euh, Multimedia Librairie. Euh, il me semble que c'est une librairie qui a été créée par un Français, Laurent Gomilla. Je pense... Je, je pense qu'il est Français. On ne va pas lui envoyer un mail. Je, je pense que jeune homme ou ce, ce monsieur j'ai jamais regardé il m'a toujours semblé qu'il était français euh, je pense voilà où est-ce qu'il travaille monsieur je sais pas il, il faudrait voir il faudrait voir ça pourrait être intéressant peut-être de le ramener un de ces quatre mais en tout cas toujours utile que voilà on va travailler sur une librairie qui, euh, qui s'appelle la SFM la CSFML donc en fait c'est un binding euh, c'est d'une librairie qui est en C++. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette libre la SFML, c'est une librairie qui, originalement, euh, s'utilise en C++. Et en fait, il y a eu plusieurs portages euh, qui ont été réalisés dans plein d'autres langages, euh, Ruby, Python, .NET, Java. Et puis, le C, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'utiliser euh, ce, cette version-là, en fait. La version en C++. Donc là dans la doc officielle, lorsque l'on regarde la doc officielle, euh, on a un exemple qui nous dit un peu comment utiliser une sorte de hello world euh, sur comment utiliser, euh, comment utiliser en fait euh, cette librairie là. Donc là si on regarde un petit peu à vue de nez là, et si on décortique un peu là, tout, ce, tout, ce, tout ce code là, bah, grosso modo là on va créer une fenêtre qui s'appelle SFML Windows, euh, et puis on va créer une texture, et puis là une autre euh, une fonte. Ok, et puis avec euh, cette fonte, donc une police de caractère. Donc avec euh, cette fonte, on va créer du texte dans lequel on crée le world, et puis on joue une musique. Et puis là, on a une loop game. Donc en fait, un jeu vidéo, c'est un jeu ou une application, c'est souvent quelque chose qui ne se quitte jamais. On est une espèce de while infini qui euh, qui dure tant que la fenêtre là est ouverte. Et puis en fait, on essaye de récupérer des commandes qui disent bah si on essaye de fermer la fenêtre. Et ben, du coup, euh, la fenêtre elle devient fermée et ça nous fait sortir de ce while-là. Et puis sinon, en attendant, et ben euh, on fait des différentes manipulations. Typiquement, on efface le contenu de la fenêtre, on réécrit le sprite par-dessus, on écrit le texte et puis on rafraîchit la, la fenêtre. Et puis une fois qu'on a fini, on détruit toutes les ressources. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'exemple qu'on qu va nous donner. Mais euh, moi, je vais reprendre cet exemple et puis euh, je vais un peu le manipuler un peu à ma sauce et euh, je vais essayer d'en faire euh, un peu autre chose et on va le réécrire en fait euh, pas à bas cet exemple. Donc, euh, alors, pour faire ça. Non, attendez, je vais quitter. Voilà. Donc, pour faire ça, j'ai préparé un. Euh, j'ai préparé un. Un makefile avec programme là qui fait rien donc là j'ai mon main qui fait rien avec mon makefile file make file de base je vais utiliser gcc les options de de, de warning que j'active toujours par défaut l'endroit où j'ai mon code source donc j'ai décidé de le mettre dans son répertoire src et puis euh, je récupère tous les fichiers obj en transformant les points c en point o et puis j'ai décidé que mon binaire allait s'appeler game <coughs> Et, euh, et puis après, j'essaye de fabriquer ce, ce binaire, euh, voilà, un, un fichier, un, un Macfile assez, euh, assez simple dans un premier temps. Donc, effectivement, coder à la norme, coder avec des fonctions de, euh, de moins de 20 lignes euh, avec la SFML, oui, ça va être euh, un défi en soi, et c'est un défi que je vous laisserai relever, car je ne le relèverai pas parce que je n'en ai pas la moindre envie. Euh, là euh, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps Dans un premier temps, ce dont on va avoir besoin, c'est que on va avoir envie que notre euh, notre euh, notre programme puisse utiliser la lib Sfml. Donc moi, si on regarde un peu sur mon disque, donc là moi je suis sous Mac. Pour installer sous Mac, j'ai fait un brew search euh, brew. Euh, non, attends, alors attendez. Je ne me souviens plus, je crois que j'avais dû bêtement faire un brew install CSFML. Voilà, je l'ai là. Donc, euh, j'ai quelque part fait un brew install CSFML. Après, sur Ubuntu, ça devrait se faire aussi simplement. Quoi. Donc, moi, quand j'installe la SFML sous Mac, elle, se, elle finit par atterrir dans local lib. Euh, non, local, c'est là. En fait, elle finit par atterrir là-dedans. Si je regarde un peu dans user local lib, que je fais lib csfml étoile, finalement, ça m'a installé tout ça. Ok Et lorsque je regarde dans user include, ça m'a installé aussi tout un tas de, tout un tas de fichiers dans, dans mes include. Donc, ce que je vais faire. Je vais, ouvrir. je vais ouvrir un, un, un explorateur de fichiers. Hop. Ici, parce que je vais en avoir besoin pour consulter un peu ce qu'il y a. Parce que grosso modo, on va avoir besoin de la doc. Il y a des choses qui vont se retrouver dans la doc, mais très sincèrement, lorsque vous avez affaire à une librairie, euh, en général, la doc, vous n'allez pas la consulter dans le navigateur, vous allez surtout la consulter dans les points H et voir un peu ce qu'il y a dans ces points H, et qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ici, moi, la lib, elle se trouve dans mon répertoire user-local-lib. Donc, ce que je vais faire, déjà, alors, hop, je vais lui dire, à un moment donné, lorsqu'on regarde dans ma documentation, il me dit que je vais avoir besoin d'include sfml audio et euh, SFML Graphics. Si je regarde sur mon disque dur où se trouvent ces fichiers-là, ils se trouvent dans, ils se trouvent ici. Hop, pardon. Ils se trouvent ici en fait. Là, mon fichier SFML graphique, il se trouve dans le sous-répertoire user/local/include. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse déjà dans un premier temps, il faudrait que je puisse lui attirer, euh, indiquer mon tiret grand I. Pour lui dire où est-ce que je vais réussir à trouver tout ça. Et puis, je vais appeler une variable que je vais appeler ldflags. Ces variables, je les appelle comme ça parce que de façon standard, c'est les noms qu'on qu donne à ces variables. Donc, dans les variables cflags, c'est là où on va mettre nos options de warning. Dans les cppflags, c'est là où on va mettre nos tirets i. Et dans nos ldflags, c'est là où on va mettre nos tirets l. Tiret grand l, tiret petit l. Donc, je sais que je vais avoir besoin de différentes choses. Donc, je vais avoir besoin de la lib csfml-window et csfml graphics pour les besoins de cet exemple. Donc, je regarde user local lib, lib csfml-window. Vous voyez que je vais avoir besoin de cette librairie-là. Et je vais également avoir besoin de cette librairie-là pour que ça fonctionne. D'accord Donc ces deux librairies, elles se trouvent dans le répertoire User Local Lib pour mon installation à moi. Pour la vôtre, il faudra que vous cherchiez sur votre disque. Donc, ces libres se trouvent dans ce répertoire-là. Et la première dont j'ai besoin, c'est SFML-Windows et CSFML-graphics. Donc c'est les deux librairies dont je vais avoir besoin. Et il faut ici que je puisse rajouter mon LDFlags. OK Alors, ici, par défaut, en fait, euh, GCC, quand il va, le makefile, quand il va essayer de convertir les points C en points O, il va utiliser ces deux variables d'environnement, c'est-à-dire il va les mixer euh, pour pouvoir les compiler. Là, si on regarde... Si je fais un make, vous voyez que GCC, là, pour réussir à fabriquer le main.o, il l'a fabriqué à partir du main.c et il a inclus sur la ligne de commande le contenu de ces deux variables-là. En revanche, pour fabriquer mon binaire game, eh ben, j'ai utilisé le main.o et derrière j'ai besoin de lui associer la lib, donc c'est ce que je suis en train de faire ici avec mon ldflags que j'ai défini là un peu plus haut. Donc là, mon makefile, là pour l'instant, il est, il est bien, il est, euh, il est en place. Et dans la Sfml, il y a différentes. Si on regarde un peu les hum... Si on regarde un petit peu ce que ça nous propose dans les libres de la SFML, eh ben vous voyez que ça nous propose CSFML Audio, CSFML Graphics, CSFML Network, CSFML System et CSFML Window. Nous, on va utiliser que la libre Window et la libre Graphics parce qu'on va juste ouvrir des fenêtres et dessiner dedans. Mais vous pourriez avoir besoin de l'audio pour jouer de la musique, du network pour faire un jeu en réseau, et système aussi, probablement pour naviguer dans le système de fichiers. Je ne me souviens plus ce qu'on retrouve dans cette libre-là, mais elle peut être assez essentielle. Nous, on va utiliser que Windows et graphique dans un premier temps. Donc, si je regarde un peu la doc. Hop. Donc, en fait, là, le, le, le défi, en fait, dans, la, dans les exercices qu'on va, qu va faire. Ça ne va pas vraiment être... Faire... En fait, euh, faire du graphique, ça, va être... ça ne va être qu'une excuse pour s'habituer à lire de la doc technique et voir un peu des exemples et les manipuler et les mettre un peu à notre sauce. Donc moi, je vais utiliser un peu l'exemple et je vais le refaire un peu à ma sauce. Donc je ne vais pas arrêter de, de naviguer entre l'exemple et revenir euh, d'avant en arrière. Donc j'inclus la partie graphique parce que j'en je avoir besoin. Et puis, je vais commencer à créer une fenêtre. Donc on me dit que... J'ai besoin de sfr-render-create-window. Donc, j'efface mon hello world. OK. Et puis, my window, il me dit que pour pouvoir le faire, c'est ça. Et puis là, j'ai un mode. Et on voit que ma variable mode, elle est ici. Donc, commençons déjà par écrire tout ce truc-là. Alors. Et c'est là où on va commencer à regarder dans la doc. Donc. Ah, pardon. Là, je vois que dans mon fichier user local include SFML graphics render window. Donc pour pouvoir trouver ce truc-là facilement, qu'est-ce que je fais Je fais un grep-r. Je regarde où est-ce que cette fonction existe dans user local include SFML. Puis je vais même mettre -r, c'est pour faire une recherche en récursif. Et n pour voir où se trouve le fichier et dans quelle ligne. Donc il me dit que ce mot-là, il existe à trois endroits. Les trois endroits, c'est dans la, le fichier user local include sfml graphics render H à la ligne 55, 66 et 75. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Donc quand je regarde ici, il me dit que donc typiquement dans ce fichier là qu'on trouve dans où est-ce qu'il est ce fichier dans graphics il se trouve dans sfml graphics render Window. Okay. Donc à chaque fois, vous verrez que vous avez des points H et des points HPP. Les points HPP sont les headers pour la SFML en C ⁇ Nous, il faut vraiment qu'on regarde que les points H pour la CSFML, la version en C de notre librairie. Donc là, en fait, quand je suis en train de regarder le code qui a, qu a là, j'ai différentes façons de créer une fenêtre. J'ai le create, j'ai le create Unicode, j'ai le create from Handle, etc. Et puis quand je continue de regarder... bah... Là, qu'est-ce que je vois Je vois que, bah, finalement, une fenêtre qui a été créée avec euh, « CF Render Create » quelque chose, elle peut être détruite, elle peut être refermée. On peut vérifier, on peut regarder si la fenêtre, en ce moment, est ouverte. On peut en récupérer ses settings. On peut faire des « Pull Events », on verra ça tout à l'heure, des « Wait Events », des « Get Position etc., », etc., etc. Donc, finalement, en fait, dans le fichier « .h », qui gère cette fenêtre-là, le « Render Window eh », ben, on va pouvoir trouver pas mal de, pas mal de fonctions, avec que fait cette fonction là Là typiquement le cette mouse euh, c'est pour pouvoir euh, comment dire c'est pour pouvoir euh, faire en sorte que la souris soit capturée par la fenêtre, qu'on n'est pas une souris mobile, euh, qu'on ne voit plus le curseur de la souris en fait euh, sur la fenêtre. Merci Bokorat pour le follow. Donc Toujours est-il que là, l'idée c'est de regarder un peu tout ce qu'il y a là-dedans et de comprendre en fait tout ce qu'on peut faire avec euh, cette window. Là, vous voyez, on peut euh, même dessiner des sprites, dessiner des, des, des formes euh, arrondies, etc. Et tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va tout bêtement utiliser le create. Donc, create, qu'est-ce qu'il dit Il dit que ça prend 4 paramètres, un mode, un titre, un style et des settings. Et par défaut, pour les settings, euh, on nous conseille de passer un pointeur nul pour que ça active les settings par défaut. Donc dans l'exemple en fait qu'on nous donne, qu'est-ce que c'est On nous dit que le mode par défaut c'est 800, 600 et 32. Ok, on verra plus tard. La deuxième option, c'est le titre de la fenêtre. Ok, bon bah là c'est my first game. Le style window. Donc là, style window, a priori, si on regarde un peu où est-ce qu'on trouve sf resize. Resize, on voit que... Les, 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 le style window en fait, c'est on peut mixer toutes ces choses-là, en fait. Finalement, en fait, une fenêtre, on peut lui dire qu'elle est resizable, closable. Euh, on peut l'afficher en full screen On peut décider d'activer ou pas sa toolbar, etc. Et puis on voit que le défaut, le, le style par défaut, c'est on active la le, la barre des titres. On peut la resize et on peut la close. Moi, bon, je vais utiliser le default style, par exemple. Alors, je reviens dans mon code j'ai utilisé le truc par défaut et puis le mode là le mode si on essaye de voir ce que c'est le mode vidéo mode alors où est-ce que c'est ça a l'air d'être ici donc il nous dit que le vidéo mode ça définit le mode vidéo le mode vidéo en fait c'est euh, un ensemble de trois paramètres la largeur de de la fenêtre en fait en pixels la hauteur de la fenêtre en pixels et puis en fait, euh, sur combien de bits vont être encodés les couleurs des pixels. Nous, nous, ce qu'on va utiliser, du coup, c'est on va créer une fenêtre qui va être de 800 sur 600 et qui va avoir euh, de, un, des pixels qui vont être encodés sur 32 bits. Okay Comme ça, ça nous permettra d'avoir des pixels, euh, une, une nuance de couleur de euh, 4 milliards. Ce que je vais faire ici, moi j'aime pas me balader avec des 800, des 600, des machins. Donc je vais faire un define, je vais dire que... Voilà, je vais dire que mon mot-clé largeur et hauteur vont être remplacés par 800 et par 600, comme ça. Si j'ai envie de modifier ces valeurs-là euh, dans mon programme à un moment donné pour avoir des fenêtres plus grandes, plus petites, etc., eh bien, je, vais pouvoir, euh, comment dire je vais pouvoir modifier ces, ces choses-là à un seul endroit. Alors je regarde là. Oui, effectivement, là, pour installer la, la SFML, la CSFML, ça peut être un peu compliqué, mais euh, on, on y arrive quand même. Surtout sous, sous Ubuntu, on arrive quand même à, à l'installer à assez facilement. Donc là, je reviens sur mes Windows. Systématiquement, à chaque fois que je crée quelque chose, je prends la décision de, le, de, le, de libérer cette ressource. De la même façon qu'à chaque fois que... J'utilise un malloc dans, dans du C, et ben il faut que je pense tout de suite à savoir où est-ce que je vais faire mon free pour ne pas oublier de, de le mettre en place. Donc ici, on voit que typiquement, on a des fonctions create qui nous permettent de créer une fenêtre, et à côté de ça, on a des fonctions destroy qui permettent de détruire des fenêtres déjà créées. Donc, mettez-le en place tout de suite. Donc là, la doc, elle ne le dit pas, mais grosso modo, la fenêtre, elle est créée si et seulement si spéciale dédicace pour Jordan, si et seulement si, le window est non nul. Donc, si mon window est non nul, eh bien, ça veut dire que la création de la fenêtre s'est bien passée, et là, direct, moi, je la libère. OK Donc, a priori, là, mon programme, je le compile. Il me dit que ce n'est pas Windows, c'est Windows. Hop. Euh, la SFML, en fait, dans, son... dans l'un de ses headers... Il a référencé un paramètre comme étant deprecated. Et donc, du coup, je n'ai pas envie d'avoir ce message d'erreur qui s'affiche à chaque fois que je vais compiler quelque chose. Donc, je vais le rajouter. Je vais dire que dans les warnings, les warnings de type deprecated, je ne veux pas en entendre parler. Donc, je rajoute wno deprecated declaration pour ne pas les avoir. Hop. J'ai recompilé tout ça. Oui, dans la doc, il n'y a pas toute la doc. Très sincèrement, les meilleures docs que vous trouverez, elles sont dans les headers. C'est euh, là où vous trouverez... Euh, vous trouvez en général dans des documentations, vous trouvez surtout des, euh, du snippet code. C'est comment utiliser un peu la lib en vue d'ensemble. Mais pour le détail technique de chacune des fonctions, etc., c'est beaucoup plus simple d'aller naviguer dans les, dans les headers de, euh, du, euh, des, des librairies qu que vous utilisez. Quoi. Donc, euh, alors, moi j'ai créé une fenêtre. Voilà, là je crée la fenêtre et puis je vérifie qu'elle est bien créée. Et puis quand elle est bien créée, je la détruis et puis je ressors. Donc a priori, si je lance mon programme, alors je vais faire un clear suivi d'un make suivi de je lance le programme. Hop, vous voyez que le programme là il s'est lancé, mais euh, on n'a rien vu. Vous voyez, mon écran il clignote un petit peu, mais on voit pas des masses sur ce qui se passe. Donc ce que je voudrais en fait, c'est de me dire bah cette fenêtre, j'aimerais bien qu'elle ne se ferme pas tout de suite. Donc. Un des moyens de voir si elle se, pas tout de suite, c'est de faire cette boucle d'événements. Donc cette boucle d'événements, elle se situe ici. Je vais recopier tout ça, ok, et je vais enlever ce qui me plaît pas dans un premier temps. Ok, hop. Euh... Essayons de voir. Je vais virer. Ce qui ne me plaît pas dans un premier temps. Voilà, je vais enlever tout ça. Donc, en fait, là, j'ai ma boucle de jeu. Dans ma boucle de jeu, je dis quoi Je dis que bah, tant que ma fenêtre est ouverte, OK, qu'est-ce que je vais faire Laissons ça de côté. Ça, je vais, je vais l'enlever, en fait. Je vais tant que ma fenêtre elle, est ouverte, eh ben, je vais effacer le contenu de la fenêtre en utilisant la couleur noire. Et puis, je vais demander à cette fenêtre de se rafraîchir. Donc, essayons de relancer make game. Alors, elle est où cette fenêtre Ah, en fait, on peut pas. Ah, ok, d'accord. Euh, je suis obligé de faire. Je suis obligé de faire euh, ce, ce truc-là, en fait, je pense. Je vais le rajouter. Donc, qu'est-ce que je viens de rajouter Cette fonction. Uh, poll event, qu'est-ce qu'elle fait Alors attendez, je pense que pour l'avoir, j'oublie une variable. Hop. Je vais mettre ici. Cette fonction, en fait, cette boucle, elle va processer les events. Les événements, en fait, lorsque vous êtes en train de programmer une interface graphique, vous avez un endroit. Qui, dans lequel vous allez devoir euh, régler les situations où vous interagissez en fait, avec, euh, avec le programme. Votre, votre utilisateur, utilisateur lorsqu'il va lancer le, votre exécutable, bah, ça va afficher une fenêtre, mais avec cette fenêtre, il va vouloir interagir avec cette fenêtre. Comment il va interagir En appuyant sur des touches du clavier, en cliquant avec sa souris à un endroit dans la fenêtre, et voire même en cliquant sur le bouton Je veux refermer la fenêtre. Donc, Là, qu'est-ce que ça dit Ça dit que bah, tant qu'il y a des événements qui n'ont pas été traités, traitons-les. Donc, c'est ce que fait Paul Evan. Paul Even, c'est il va aller voir tous les événements. Donc, l'utilisateur, lui, quand il appuie sur les touches du clavier, etc., tout ça, ça va se stacker quelque part en mémoire. Et SFML, il va prendre chacun de ces éléments qui sont en mémoire et il va se dire OK, quels sont les événements que je dois traiter en ce moment Et euh, selon les événements que je dois traiter, eh ben, c'est au développeur de réagir par rapport à ça. Donc là. Qu'est-ce qui se passe dans le programme C'est de dire, bah, tant qu'il me reste des événements à traiter, traitons-les. Et si l'événement que je suis en train de traiter, il est de type euh, SF Event Closed, qu'est-ce que je dois faire Ce type SF Event Closed, il est lancé à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton « Refermer euh, ». Là, vous voyez, quand je clique sur le bouton « Refermer la, la fenêtre et eh ben, », qu'est-ce que je dis Et eh ben, Je lui dis bah, « Referme la fenêtre euh, » qu'il y a là. Et puis... Euh, ici, on efface le contenu de la fenêtre, on rafraîchit la fenêtre, on reboucle ici, et en fait, vous voyez que la fenêtre, cette boucle, elle ne marche tant que la fenêtre est ouverte. Donc, si, si mon utilisateur clique sur le bouton pour fermer la fenêtre, je la ferme effectivement, et au prochain tour de boucle, eh ben, euh, je vais sortir de ma boucle, et du coup, je vais détruire la fenêtre, et je vais ressortir de mon programme. Donc, lançons-le. Vous voyez, là, j'ai mon titre là, du programme. Ma fenêtre, elle fait 800 par 600. Je peux la resize. Okay. Et puis, lorsque j'appuie sur ce bouton-là, j'ai fini mon programme. Je pourrais afficher un petit... un petit truc ici. Printf. Imaginons que je commande ce truc-là. Euh, L'utilisateur clique sur le bouton fermé. Ok, je relance. Et vous voyez qu'ici, si je clique là, et bien il ne se passe rien. Et pourquoi j'ai pas mon printf qui s'affiche qui là je sais pas pourquoi. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas de backslash. -n. Vous voyez que à chaque fois que je clique sur ce bouton, bah finalement, il se produit rien en fait. La fenêtre est pas en train de se, de se fermer, et pourtant euh, j'ai juste mon message. Donc pour pouvoir le quitter, je fais un CTRL-C. Donc. Nous, on met le choix par défaut. Là, le choix par défaut, c'est quand l'utilisateur clique sur fermer la fenêtre, on ferme effectivement la fenêtre. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cet événement et de le traiter comme ça C'est parce que bah, typiquement, au moment où on ferme la fenêtre, bah, peut-être que euh, je suis dans le cas d'un jeu en ligne, bah, peut-être qu'au moment de, où l'utilisateur clique sur je veux fermer la fenêtre, bah, je veux peut-être euh, fermer ma connexion euh, réseau euh, de ce truc, repasser dans un autre menu, euh, faire en tout cas pas mal de choses avant d'effectivement fermer la fenêtre et de sortir de mon programme. J'aurais peut-être besoin de sauvegarder des choses dans le fichier. Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu ferme la fenêtre, lorsque l'utilisateur clique sur ⁇ je veux fermer la fenêtre ⁇ ça ne ferme pas automatiquement la fenêtre. Ça nous alerte sur le fait que l'utilisateur souhaite le faire pour nous laisser la main sur l'ensemble des actions à mener avant de sortir effectivement du programme. Donc voilà à peu près ce qui se passe là. Je regarde un peu SF Event Close. Si je regarde sur les SF Event Close, où est-ce que je trouve ça dans mon truc Je trouve ça ici. Et vous voyez que la définition des types d'événements, en fait, il peut y avoir plein de types d'événements. Des événements de je suis en train de fermer la fenêtre, je suis en train de resizer ma fenêtre, je suis en train de perdre le focus ou de gagner le focus, c'est-à-dire que euh, mon application elle est passée en arrière-plan ou elle revient en avant-plan, je suis en train de presser une touche. Moi, ce que je voudrais, c'est fermer la fenêtre, non seulement quand j'appuie sur le bouton fermer, mais je voudrais aussi la fermer quand j'appuie sur le bouton escape. Parce que vous verrez que lorsque vous êtes en train de, de, de développer en fait une application graphique comme ça le fait de... Vous allez passer pas mal de temps à débugger cette application, et à chaque fois que vous allez débugger cette application, vous allez vouloir quitter votre programme, pour retourner dans votre code, faire des modifs, relancer le programme, voir que ça marche, si ça marche pas, requitter le programme, etc. Donc, vous allez voir que le fait de cliquer sur le bouton à gauche de la fenêtre, ça va être un truc qui va être juste infernal au bout d'un moment. Donc, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est... J'aimerais pouvoir quitter... Mais pas en, en appuyant Alors effectivement en appuyant sur le bouton cliquer, euh, quitter, je voudrais quitter, mais je voudrais aussi pouvoir quitter lorsque j'appuie sur le bouton échappe. Et le bouton échappe, bah, finalement, l'event type, si le D type euh, Event prest, alors qu'est-ce qui se passe Donc moi je regarde un peu, et si je regarde dans la window, je vois que j'ai un truc qui s'appelle Keyboard. Et dans Keyboard, j'ai plein de keycodes. Et en fait l'idée c'est de toutes ces variables-là en fait elles contiennent la valeur du, du code de la touche sur laquelle on est en train d'appuyer. Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que l'event type, si le de type euh, sf euh, event key et que mon event.key.code c'est égal à alors où est-ce que je l'ai Je l'ai ici et Escape. Voilà. Si mon event type il est de type qui euh, event, et eh ben event. Quand on regarde ici, les événements en fait, les événements, ils sont soit de type euh, size, soit de type Key, soit de type text, soit de type move, etc. etc. Donc mon event il a une sous propriété qui s'appelle Key. Et dans la sous-propriété qui s'appelle key, c'est une structure qui est de type keyEvent, et dans la structure de type keyEvent, il y a une sous-propriété euh, sous qui s'appelle code, qui va contenir le code de la touche sur laquelle on est en train d'appuyer lorsque cet événement se produit. Donc, lorsque l'événement de type keyPress est en train de se produire, je vais aller regarder le membre code du membre key de mon événement, et si ce code il est égal au code de la touche Escape, alors je vais aussi refermer la fenêtre. Donc là, c'est Close Windows by Clicking by Pressing Escape. Okay. Donc je relance mon truc Game. Et là, faudra me croire sur parole, mais là, si j'appuie sur la touche Échappe, j'ai mon programme qui, euh, qui se termine. Donc ça, c'est hyper pratique en fait. Quand je suis en mode développement, là j'arrive, je mets des trucs, je vois que ça marche pas, j'appuie sur échappe, je reviens ici, le programme se quitte et je peux faire mes modifs. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui peut être hyper pratique dans le cadre du, euh, de, de notre boucle de, déve de développement. Quoi. Donc pour l'instant, j'ai créé euh, une fenêtre. Ma fenêtre, je suis capable de la refermer, et puis je suis capable de, euh, de, de voir deux trois trucs dedans. Là, typiquement, vous voyez que la fenêtre, elle s'affiche en noir. Donc à chaque tour de boucle il eh ben, y a du noir qui est euh, rebalancé sur la fenêtre. Si je regarde quelles sont les autres couleurs qui sont accessibles. Donc moi à chaque fois j'utilise Sublime, mais si vous, vous préférez l'avoir en ligne de commande, typiquement à chaque fois vous faites grep-r petit n, le mot que vous cherchez et vous regardez dans les user include SFML où se trouve le fichier qui contient ce mot-clé là. Bah, ce fichier il est dans SFML graphics color ligne 47. Donc, rendons-nous à cet endroit-là. Donc, vous voyez bien que je suis dans mon fichier SFML Graphics Color. Et puis, je suis bien à la ligne 47. Et à la ligne 47, bah, finalement, j'ai euh, la couleur noire qui est définie par défaut. J'ai aussi le mot-clé blanc, rouge, vert, etc. Donc, en fait, ça, c'est quoi Ce sont des couleurs, ce sont des variables globales, en fait, de couleurs qui sont déjà préconfigurées, en fait, dans, dans la lib, qui nous permettent de facilement avoir des, euh, des raccourcis sur des noms de couleurs, quoi. Donc là, j'ai ma couleur verte, je pourrais définir, je pourrais essayer de là euh, de l'effacer en bleu euh, sur à chaque tour de boucle. Bref. Donc là, moi ce que je voudrais en fait, c'est... Dans cette fenêtre, j'aimerais bien pouvoir afficher en fait euh, des choses. Et pour pouvoir afficher des choses, il faudrait que je puisse afficher des sprites. Donc là, en fait, on nous dit que vous euh, voyez ici, on a la possibilité de, de dessiner un sprite. Regardons. Merci Rafou pour ton follow. Euh, on a la possibilité d'afficher dans la fenêtre un sprite. Donc essayons de voir où se trouve cette fonction. Cette fonction drawSprite, elle se trouve dans mon render renderWindow.h. Là, c'était le, 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 le fichier .h qu'on regardait depuis le début là pour les render Create, etc. Donc la fonction drawSprite, elle, elle prend euh, plusieurs paramètres. La fenêtre dans laquelle on va afficher notre sprite... Le sprite à afficher, bien évidemment, et puis quelques variables d'état. Et là, ils nous disent que par défaut, on utilise nul. Donc, euh, si on a envie d'avoir le comportement par défaut, on utilise nul. Là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais recopier le commentaire, histoire de voir un peu où est-ce qu'on en est. Et puis, effectivement, ici, si je fais un mec, il me dit Bon, bah non, euh, t'es gentil, mais là, t'essayes d'afficher un sprite, mais ton sprite, je ne sais pas ce que c'est comme variable. Donc là, on voit dans la doc que le sprite, il doit être de type, il doit être de type euh, SF Sprite, okay Et puis je regarde, si je regarde un peu, là, je vais refaire un grep par là. Si je regarde, si je fais un grep de SF Sprite, où est-ce qu'on a du sprite en fait Vous voyez que là, bah, a priori, j'ai un fichier qui a l'air de concorder. Vous voyez que sprite, on arrive à le retrouver dans plein d'endroits mais surtout dans un fichier qui s'appelle SFML Graphics Sprite. Donc typiquement, je pense que c'est le header qui doit gérer euh, cette structure-là. Donc allons voir là-dedans. Et on voit qu'un bah, sprite, il y a la possibilité de le créer, d'accord D'en du... créer un nouveau en en dupliquant un ancien, et puis de le détruire. Et puis une fois qu'on fait tout ça, on est capable de le positionner à l'écran, de le retourner, de le scale, c'est-à-dire qu'on peut le zoomer, enfin l'agrandir ou le rétrécir, euh, lui set un origine, etc, etc. Enfin bref, euh, le transformer, lui ajouter des textures, etc. Bref, nous pour, pour l'instant, on va juste le créer. Merci Deran Mora pour ton follow. Je vois que le 34 est dans la place. Alors, je vais donc créer mon sprite. Ici. Ok. Donc je crée mon sprite. Je vais un peu baisser ça. Et puis, pareil, je vais regarder si mon sprite s'est bien créé. S'il est différent de nul. Alors, ça s'est bien créé. Tout de suite, je règle le souci de. Je le détruis. OK Et puis maintenant, je vais déplacer en fait tout ce bazar là-dedans. OK J'ai rien fait de plus en fait. J'ai juste. Euh, je continue d'avoir ma boucle là d'événements. C'est juste que j'ai créé un sprite en amont pour pouvoir l'utiliser ici. Recompilons-le. Ok. A priori, j'affiche ma fenêtre bleue et puis je demande de dessiner mon sprite. Mais il se trouve que mon sprite, bah là pour le coup, euh, bah, c'est un sprite qui a rien dedans en fait. Pourquoi C'est parce qu'un sprite, c'est pas, pas une, en soi, c'est pas une entité graphique en fait pour de vrai un sprite. C'est plutôt une zone d'affichage dans laquelle on va inclure une entité graphique. Et cette zone d'affichage, en fait, le sprite, c'est une zone d'affichage qu'on va pouvoir positionner à l'écran, qu'on va pouvoir déplacer, qu'on va pouvoir rotate, etc. Donc, c'est une espèce d'objet sur lequel on va pouvoir faire des transformations mathématiques pour le positionner en, en, dans un écran. Mais en fait, ce sprite, il embarque en son sein ce qu'on appelle une texture. Et en fait, la texture, c'est le truc, c'est l'objet dans lequel on va avoir les informations de couleur, de dessin de ce sprite. Donc, si on regarde ici un sprite, on peut lui assigner une texture. Alors, où est-ce que c'est On peut lui assigner une texture. Et la texture, en fait, qu'on lui assigne, bah, il faut qu'on lui passe un élément de type texture. Et puis là, on a quelque chose qui nous dit, est-ce que la texture doit... Bon, je ne sais plus, mais ça, je crois que c'est un truc qu'on met à trou par défaut. Euh, vous voyez que là, ici, sprite, eh ben, je dois lui assigner une texture, en fait, sur mon sprite. Donc faisons-le. Donc, mon sprite, je l'ai créé. Et je vais lui assigner une texture. OK. Bah là, il me dit que bah, texture, il sait pas ce que c'est. Texture, il doit être de type sf-texture. Si je regarde où est-ce que j'ai du sf-texture dans mon fichier, j'en ai dans plein d'endroits. D'accord. J'en ai dans plein d'endroits. Mais j'en ai aussi pas mal dans texture, en fait. Dans sfml-graphics-texture.h, j'en ai beaucoup là. J'en ai quelques-uns dans Shader, j'en ai quelques-uns dans Circle Shape, Render, etc., Render Window. Bon, a priori, le fichier H qui a l'air de gérer les textures, c'est lui. Puis là, vous voyez, là, on a même un SF Texture Create. Donc, a priori, c'est ce fichier qui est intéressant. Donc, je le cherche, je le trouve là. Donc, vous vous rappelez, ce n'est pas le point HPP, là. Le point HPP, là, quand vous regardez, ça, c'est du code C++ avec des classes, etc. Nous, on est vraiment sur du code en C++. Donc, les textures, lorsqu'on regarde, bah finalement, je peux créer une texture de différentes façons. Je peux la créer en lui disant quelle est sa taille et sa hauteur, à partir d'un fichier, à partir d'une zone en mémoire, à partir d'un stream, à partir d'une image, à partir d'une copie d'une autre structure, et puis je peux la détruire. On peut raisonnablement imaginer qu'une euh, structure, on peut euh, la créer à partir d'un fichier, et un fichier sera un fichier image, un PNG, un BMP, un JPEG, j'en sais rien. Nous on va essayer de, trister, de, de créer une texture. Donc là c'est l'exemple qu'on vous donne là, pardon. L'exemple qu'on vous donne. On crée la structure à partir, voilà, il fait un create euh, texture from file, from file pardon, et à partir d'un JPG. Donc en fait cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller lire ce fichier image, elle va aller récupérer toutes les informations euh, de pixels qu'il y a dans cette image, et elle va créer cette structure. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire ça. Je vais utiliser Texture Create et je vais fabriquer l'image from scratch en allumant les pixels un à un dans cette image. Donc, c'est ça que je vous propose de faire. Donc, je crée ma structure ici. Hop. Et euh, Texture Create, ça prend une largeur et une hauteur. Je vais lui donner la, 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 enfin, les, les, les dimensions de ma fenêtre. On pourra avoir une texture plus petite, mais là pour l'instant je vais avoir une fenêtre qui embarque un sprite, qui embarque une structure qui est la taille de la fenêtre, comme ça j'ai qu'une seule image à l'écran, elle est positionnée à l'adresse 0.0 en haut à droite, et euh, on est bien. Donc pareil, je vérifie que j'ai bien réussi à récupérer une texture. Une fois que j'ai récupéré mes textures, je m'assure que je la détruis. Ok. Et finalement. Je vais déplacer tout mon code utile à faire tourner mon application. Je vais le déplacer en haut. Hop, hop. Hop, voilà. Si je reprends un peu ce qui se passe depuis le début, j'ai une window. Oh, attendez, je vais même faire ça. J'ai une window, je la crée. Si ça se passe bien, bah, j'ai une sprite. Si ça se passe bien, je la crée. Si ça se passe bien, je crée une texture. La texture, si elle s'est bien créée, bah, du coup, j'assigne cette texture au sprite. Et puis là, j'ai ma boucle d'événements. Et euh, tant que ma fenêtre elle est euh, ouverte, bah, j'essaye de checker mes événements, voir si j'appuie sur, euh, effectivement, la norme en PLS. Euh, j'essaye de checker si euh, je suis en train d'appuyer sur, sur, sur la croix ou j'appuie sur mon bouton échappe pour sortir mon truc. Et puis, si ce n'est pas le cas, bah, j'efface le contenu de ma fenêtre en mettant la couleur bleue en arrière-plan. Et puis, j'affiche euh, mon sprite. Et puis je rafraîchis ma fenêtre. Et puis une fois que j'ai fini de faire tout ça, quand l'utilisateur aura décidé de cliquer sur euh, fermer la fenêtre, eh ben, je libère ma, ma, ma structure, ma texture. Merci slash formotion pour ton follow. Donc lorsque j'ai fermé ma fenêtre, ben, je libère ma texture, je libère mon sprite, je libère ma fenêtre. Et puis je finis mon programme. Donc, recompilons tout ça. Et là, vous voyez que, bah, là, a priori, j'ai toujours mon fond bleu. Je vais regarder un truc. Voilà. Vous voyez que là, euh, je lui dis... Donc, imaginons que là, pour l'instant, là, j'ai ma fenêtre. Euh, j'ai ma fenêtre. Elle, la fenêtre, par défaut, je lui dis de s'effacer avec la couleur noire et de se rafraîchir. Là... Okay, donc là, j'ai ma fenêtre, vous voyez, j'ai bien ma couleur noire qui est là, euh, il ne se passe rien, et puis à chaque tour de boucle, eh ben, euh, la fenêtre se réefface en noir, elle se date, elle s'efface en noir, elle se date, etc., etc., etc. Là, je lui demande d'afficher mon sprite. Et lorsque j'affiche mon sprite, vous voyez que là, ma fenêtre, elle n'est plus vraiment noire, en fait, elle est un peu bleu, euh, bleu foncé. Pourquoi C'est parce qu'en fait, dans ma fenêtre, je lui demande d'afficher mon sprite. Et mon sprite, il est composé d'une texture qui a été créée ici. Sauf que ma texture, en fait, je ne l'ai pas, hum, pas initialisée par défaut avec euh, des couleurs de pixels. Et donc, par défaut, bah, je ne sais pas, pour vous, euh, ce sera peut-être une autre couleur ou plein de couleurs différentes, etc. Pour moi, là, en l'occurrence, ça, ça va être du, euh, du, euh, du bleu foncé. Mais toujours est-il qu'en fait, cette structure, elle est quelque part en mémoire. Et dans cette quelque part en mémoire, les informations de couleur, elles sont définies un peu aléatoirement. Et puis là, en l'occurrence, on est tombé sur du bleu foncé. Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre à jour, en fait, la couleur qu'il y a dans cette structure. Pour pouvoir le faire, on a quelque chose, des structures qui s'appellent, euh, des textures, dans, dans les textures, on a des commandes qui s'appellent update from. Quand je regarde, j'ai... des update from, en fait, je peux update les informations colorimétriques de ma, te, de ma, de ma texture à l'aide de l'une de ces fonctions. Typiquement, le update texture, enfin, euh, le... SF Texture Update From Image, qu'est-ce que ça va faire bah, Ça va prendre une image et puis ça va lire son contenu, euh, les informations euh, euh, colorimétriques qu'il y a dans cette image et ça va les reporter dans cette structure. Moi, ce que je voudrais faire, c'est update une structure à partir d'un tableau dans lequel je vais retrouver euh, toutes mes informations de couleur pour pouvoir discuter en fait, de, de tout ça. Donc, moi, je vais utiliser cette fonction-là SF Update Pixel. Alors à chaque tour de boucle je vais, update. je vais update la texture en utilisant cette fonction. Cette fonction elle prend plusieurs paramètres. Déjà, elle prend le paramètre texture qui est euh, la texture que je souhaite update. Elle prend un paramètre, pixel. Alors je vais le mettre là, pixel je vais le déclarer ici pour l'instant. Ok, on verra plus tard ce que c'est. Et puis il faut que je puisse dire euh, ces informations de, de couleur en fait euh, co Ça correspond à une image de quelle taille qui est écrit tout dans mémoire. Merci Doctrise pour ton follow. Donc ces informations de couleur se situent en adresse en mémoire, qui est représentée par pixel. Et puis il faut que je puisse dire quelle est la taille et la hauteur de ce que j'essaye de refresh dans ma, dans, ma, dans ma texture et à quel endroit. Donc moi ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de rafraîchir toute ma texture. Donc la taille que j'ai envie de rafraîchir de ma texture, c'est Within 8. Et à partir de la coordonnée X0 et Y0. Il faut savoir que lorsqu'on a affaire à une image... Alors attendez. Je vais mettre un peu du commentaire ici. En fait, là, dans mon écran... J'ai différents pixels. Donc là, imaginons que euh, j'ai euh, une image de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pixels sur, sur 4. L'idée, c'est de se dire comment je vais allumer ces pixels. Avec quelle couleur Là, je l'allume avec cette couleur-là. Et puis l'autre, je l'allume avec cette couleur-là. Euh, et, etc. etc. L'idée, c'est de se dire, chacun. Donc ça, c'est des, des pixels de mon écran. Et le pixel qui a ici. Le, pi le pixel qui se situe pile poil là. Alors euh, comment est-ce que je peux faire Le pixel qui se situe là. Donc euh, là j'essaye de faire une flèche, ça ne se voit pas des masses. Attendez, hop. C'est de l'artisanal. Voilà. Donc là le pixel qui se situe pile poil ici, que je vais mettre euh, en... ça va être un hors-basse. Voilà. Ce pixel là en fait... Il est à la coordonnée x égale 0 et y égale 0. Ce pixel-là, celui d'à côté, il est à la coordonnée x égale 1 et y égale 0. C'est-à-dire que là, j'ai ma courbe de x qui avance comme ça. D'accord Et j'ai ma courbe des y qui va vers le bas. Donc, sur mon écran, j'ai des pixels qui sont allumés. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je vais réussir à euh, leur transmettre des informations de couleur. Donc, si vous vous souvenez bien, donc là, alors attendez. Donc, ici, je vais dire que dans cette zone en mémoire dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, il y a des informations colorimétriques. Et ces informations colorimétriques correspondent à une image qui est grande comme euh, l'écran. Et je vais vouloir les updates à la position 0,0 de ma texture, c'est-à-dire à partir de la coordonnée bien en haut à gauche de, de, de ma texture. Et en fait, cet espace en mémoire, c'est quoi c'est un endroit dans lequel je dois avoir toutes les composantes colorimétriques de, chacune, euh, de, de, de chacun de mes pixels que, que j'ai dans mon image. Donc en fait, si on se souvient bien, ici on avait, dit que, euh, on avait dit que ma fenêtre, elle allait contenir 800 pixels de large, 600 pixels de haut, et chacun des pixels allait être encodé sur 32 bits. 32 bits, c'est 4 octets, parce qu'un octet, c'est 8 bits. Et euh, 32, divisé par, euh, 32 divisé par 8 bits, ça nous donne 4. Donc chacune euh, chacun des pixels va contenir une information colérimétrique grande comme 4 octets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que. Alors attendez. Vous voyez qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je vais utiliser une variable sfcolor. Vous voyez que cette variable sfcolor, c'est quoi C'est une suite de 4 entiers sur 8 bits. OK Et qui vont définir la composante RGV enfin RGBA. Merci Nitram4580 pour ton follow. Donc un SFcolor, c'est quoi C'est quelque chose grand comme 32 euh, bits en mémoire. Sur lesquels les 8 premiers bits va être un chiffre qui va être composé de 0 à 255 qui va indiquer la composante rouge de, ce, de cette couleur, et puis suivi de 8 bits qui vont servir à encoder de 0 à 255 euh, la nuance de vert qu'on a dans cette couleur, suivi de 8 bits qui vont pouvoir coder de, à 5, de, de, de 0 à 255 le, les nuances de bleu, suivi d'un nombre qui sera l'alpha donc de 0 à 255, c'est la nuance d'alpha de transparence. En fait, plus ce nombre sera élevé, plus euh, on aura la couleur qui sera bien nette et plus ce nombre euh, est faible et plus cette couleur euh, deviendra invisible par transparence. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dire que en mémoire je vais dire que mes pixels en mémoire en fait, ça va être une suite de SF colors. OK et mes sf-colors, en fait, j'en ai combien En mémoire, j'ai... Là, je peux utiliser sf-color parce que j'ai dit que euh, chacun des pixels était encodé sur 32 bits. Et sf-color est vraiment euh, une information colorimétrique encodée sur 32 bits. Donc, ces sf-color, en fait, je vais en avoir... Oh, attendez, je crois que j'ai mis une minuscule. Donc, en mémoire, j'ai sf-color fois... X with fois 8 donc des pixels en fait j'en ai 800 x 600 fois la taille de ce que représente en mémoire une, une couleur donc je vais déclarer une zone en mémoire comme ça je vais en créer une donc là je vérifie que mon pixel il s'est bien créé si c'est le cas je le libère free pixels et je vais redéplacer tout ça comme je le fais depuis le début. Je vais redéplacer tout ça ici. Hop, hop, hop. Et je vais recompiler. Donc là, il me dit que j'ai un problème ici. En fait, là, Pixel, il me dit que c'est des SF8 euh, euh, étoiles, alors que moi, j'ai des SF color étoiles. En fait, pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce que euh, Update Proxial, ça prend des SF8-8 euh, et pas des Uint32 ou des SF-Colors C'est parce que par défaut, on n'est pas obligé d'encoder nos couleurs sur 32 bits. On peut les encoder sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 bits. Et donc, c'est pour ça que comme on peut avoir différents choix, bah, ici, il faut avoir un, un type qui puisse les symboliser tous. Moi, j'ai décidé de l'encoder sur euh, 32 bits. Donc, d'utiliser directement des structures SF-Colors. Donc, voilà alors, normalement je compile, ça remarche, je relance, je récupère mon noir, ok. Donc maintenant ce que je vais faire, pourquoi est-ce que je récupère un noir C'est là j'ai fait une allocation et donc en fait dans cette zone en mémoire, ce que je voudrais faire, c'est bah, l'initialiser, essayons de l'initialiser en rouge. Donc pour l'initialiser en rouge, je vais me dire bah moi je vais parcourir tous les X allant de 0 à 800. Donc à la largeur de ma fenêtre je vais parcourir tous les y de 0 à 600 qui est la hauteur de ma fenêtre et en fait ce que je voudrais faire c'est aller dans la bonne case de mon tableau pour pouvoir afficher la couleur qui me plaît à cet endroit là merci ex order 57 pour ton follow donc pixel c'est une zone en mémoire dans laquelle j'ai les informations colorimétriques de mes, euh, de mes pixels. Donc, pour le pixel x vaut 0 et y vaut 0, c'est ce pixel-là. Donc, c'est le premier réellement du tableau. x vaut 1, y vaut 0, c'est le deuxième, etc., etc. Et en fait, en mémoire, les pixels, ils ne sont pas représentés comme ça. En fait, les, les pixels, ils sont comme ça. En fait, ils sont tous les uns à la suite des autres en mémoire. Donc, lorsque je me situe sur la ligne 0, eh ben. Euh, Enfin, lorsque, je me, lorsque je me situe par exemple sur la ligne 1, pour allumer le, le premier pixel de la ligne 1, et ben en fait, je dois me déplacer de la largeur de mon, de mon écran pour pouvoir arriver jusqu'à celui-là. Donc en fait, pour aller au pixel qui a la position XY, alors attendez, là j'ai des X. Hop. Et bien en fait, pour pouvoir aller sur ma position comme ça, il faudrait que je puisse me dire, bah je fais Y fois With. Donc à chaque fois que je saute une ligne, en réalité j'avance d'autant de fois le nombre de, de pixels que j'ai sur une ligne. Et après, je lui ajoute le pixel sur lequel je suis sur ma ligne, et là je vais lui mettre la couleur rouge. Je relance et là j'ai réussi à rafraîchir en rouge tout ça. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça en fait C'est que nous les pixels on a l'impression que c'est un tableau à deux dimensions de pixels, mais en réalité en mémoire toutes les lignes elles sont collées les unes à la suite des autres en mémoire. Donc c'est pour ça que je vous dis nous on a l'impression de voir les pixels comme ça, coordonnées x y là, alors qu'en réalité c'est ça qu'on voit en mémoire. Donc pour pouvoir aller donc là, on avait dit que mon pixel, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, lorsque je veux les en x égale 2 et y égale 2, donc ce pixel-là, c'est le pixel. Donc, donc là, c'est x0, 1, 2. Tac, tac. Donc, lorsque je suis ici, donc pour x vaut 2, y vaut, euh, y vaut 2, l'idée, c'est de savoir... L'idée c'est de savoir quel est l'indice, quel est l'indice de ce pixel dans mon tableau de pixels. Donc il faudrait que je puisse les remettre en ligne. Et en réalité c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est le 19e pixel donc c'est celui qui est d'indice i égale 18. Et le i égale 18, d'où est-ce qu'il vient Il vient de. Je fais y fois la largeur. En, la largeur de pixels que j'ai sur une ligne donc j'ai 8 pixels par ligne plus je me décale de x vaut 2, 2 donc ça ça plus x pardon et donc je me retrouve avec 2 fois 8 plus 2 et c'est bien égal à 18 donc en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut que vous puissiez imaginer vos tableaux de pixels non pas comme un tableau à deux dimensions mais comme un tableau à une dimension où toutes les lignes elles sont collées les unes à la suite des autres donc il faut que vous puissiez vous exercer à faire cette gymnastique-là pour pouvoir trouver le pixel à la coordonnée x, y. Et bien finalement, je vais aller fouiller dans mon tableau à la case y fois la largeur de mon image, plus x, je tombe sur le bon pixel, et là, je lui assigne la bonne couleur. Donc cette gymnastique, ça va être quelque chose que vous allez devoir réaliser assez rapidement et assez facilement. Donc je relance, voir si j'ai rien cassé. Ok. Donc ce que je vais faire, ce que je voudrais... Donc là, j'affiche du bleu. Ce que je voudrais, c'est maintenant faire une espèce de. Euh, comment dire euh, Ce que je voudrais, c'est faire une exemple, euh, de, une, un petit exemple dans lequel. Euh, une espèce de petit snake. Et donc, mon snake, c'est quoi C'est. Je vais avoir un, un carré que je vais déplacer sur l'écran et que je vais vouloir déplacer en appuyant sur la flèche au bas, gauche, droite. OK donc ce que je veux faire c'est que bah, déjà mon player, je vais lui donner une position, px, py, et puis PS c'est le player size, c'est euh, je vais afficher un carré, en fait, au pixel, à partir du pixel 100, à partir de la coordonnée en haut à gauche de mon écran, je vais vouloir afficher un carré de taille 50 euh, et de couleur euh, rouge. Donc pour pouvoir le faire, comment est-ce que je fais Je vais faire ça. Et puis finalement, à partir de mon player X, tant que X est inférieur à player X plus la taille de mon carré, pour tous les Y compris entre player Y et player Y plus la taille de mon carré, eh ben, je vais afficher un carré de couleur rouge. Je vais afficher le, le pixel rouge. Relançons. Là j'ai réussi à, à afficher un carré rouge à cet endroit-là, en fait, dans mon tableau, en réécrivant la couleur rouge sur tous les x, y qui sont compris entre px et px plus s, et py et py plus s. Okay Là, je vais remettre du noir ici, parce que la couleur bleue, elle est juste atroce. Okay Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est pouvoir, pouvoir déplacer, en fait, ce carré. Donc euh, ce que je voudrais faire, merci Wayero pour ton follow. Ce que je vais vouloir faire, c'est pouvoir déplacer en fait. Euh, et oui, tout ça pour un pauvre carré rouge. Mais on aura l'occasion de faire des exemples bien plus intéressants euh, plus tard. Euh, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir me déplacer. Donc je vais mettre un vecteur vitesse. Ok. Donc à chaque tour de boucle en fait. Bah, mon player, il va avancer de temps sur l'axe sur la, sur des X et de temps sur l'axe des Y. Donc, je vais faire un truc comme ça. Donc, à chaque tour de, de boucle, bah, PX, c'est égal à PX plus sa vitesse. Et puis, PY, ça va être la même chose. Regardons ce que ça donne. Ça ne marche pas. Euh... Tout à l'heure, j'avais un peu le même problème, je crois, deux petits secondes, y machin. Nanana. Alors, alors là, la partie graphique à débuguer, c'est toujours assez compliqué. Y hop, pourcentage d. Que se passe-t-il? Alors, non 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 non. Bah, effectivement j'ai mis des trucs mais j'ai pas mis les variables ici. Ok, mon PY, il est déjà pas bon là. Okay, Qu'est-ce qui lui arrive Alors deux petites secondes. <laughs> Pourquoi est-ce que mon py est pas le bon Alors deux petites secondes, je, je consulte mes notes. Peut-être qu'en regardant mes notes, je trouverai quelque chose. Euh... Ah mais oui, 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 oui. Ah oui parce qu'en fait euh, les px py je les ai déclarés dans ma boucle de rafraîchissement et donc du coup à chaque tour de boucle, euh, bah, ils sont réinitialisés. Donc il faut que je les mette en dehors de ma boucle d'événement. Effectivement. Et donc, dans, à chaque tour de boucle d'événement, bah, je les mets à jour. Il était là, le souci. Ok. Je suis content qu'on n'est pas trop galéré pendant mille ans. Donc, vous voyez, là, j'ai mes, euh, mes, euh, mes carrés qui se déplacent vachement vite. Donc, peut-être que ma vitesse, je vais peut-être la calmer un peu. Et puis, vous voyez qu'en fait, à chaque fois que euh, la vitesse augmente, bah, j'ai mon carré qui descend. Pourquoi Parce qu'en fait, mon PX, bah, il va devenir tellement grand qu'il va, en fait, euh, sauter de ligne. Quoi. Donc... Ce que je voudrais faire, c'est déjà me dire que mes px, py, ils augmentent, mais à chaque fois que mon px il devient plus grand que, le, que la taille de la fenêtre, bah, je, voudrais le, je voudrais le remettre dès le début. Quoi. Donc, if px euh, supérieur ou égal à width, eh ben, je le décrémente de width. Je vais faire la même chose s'il est inférieur à 0, parce que je vais vouloir déplacer dans l'autre sens à un moment donné. Hop, je lui rajoute ça. Et puis. Hop. Pareil pour mon PY. Y, hop. Là, c'est juste pour pouvoir euh, faire avancer mes, mes PX ou mes PY. Et, passe, et quand ça ressort de la fenêtre, ça revient de, de l'autre côté, quoi. Donc, je relance ça. Ok, on est bon. Je vais peut-être mettre une vitesse un peu, plus, un peu euh, plus calme là. Je regarde un peu ce que j'ai réécrit tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi ça va aussi vite. Tout à l'heure, moi, ça n'allait pas aussi vite quand je l'ai testé. Juste pour voir si je fais ça. Ok, bon, on va garder cette vitesse là. Euh, et en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est utiliser les touches du clavier pour pouvoir aller en haut, en bas, gauche, à droite, etc. Donc, euh, je sais pas si vous vous souvenez là tout à l'heure, on avait déjà réussi à récupérer des touches du clavier. Bah, faisons-le. Donc là, si je fais left, donc ça, les, les touches de clavier, vous finissez par les trouver. Hein. Euh, si vous regardez un peu euh, ici, vous avez le nom de chacun des touches du clavier, les F11, les euh, divide, machin, les, 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 toutes les lettres A, B, C, D, E, Vierge. Merci Seven Security pour le follow. <laughs> Donc en fait, lorsque je suis en train d'appuyer sur la touche gauche, bah, qu'est-ce que je vais vouloir faire Je vais vouloir dire que... Euh, disons que là j'ai un vspeed qui est égal à 1 en fait. Voilà. Ok. Donc j'ai un vspeed qui est égal à 1, vs qui est égal un vspeed qui est égal à 1. La vitesse sur l'axe dx, bah, finalement, c'est le vs. Et la vitesse sur l'axe d'y, c'est 0. Pourquoi est-ce que je fais ça Donc, du coup, lorsque je suis en train d'appuyer sur la touche gauche, je veux que mon vx soit égal à 0 moins vs. Et que mon vy soit égal à 0. Merci par euh, merci FN, euh, TV pour ton follow. Je vais faire up et down. Donc lorsque j'appuie sur la gauche, je veux que ça parte euh, vers les x négatifs. Lorsque j'appuie sur la droite, je veux que ça parte vers les x positifs. Et là, je veux faire un peu le contraire en fait. Des y des x. Donc quand j'appuie sur up. Quand j'appuie sur UP, bah du coup la vitesse en X, je veux la 7 à 0, mais les VY, je veux qu'ils soient négatifs, parce qu'on remonte vers le haut. Et lorsque j'appuie sur la touche basse, eh ben, je veux 7 mon VX à 0 et faire mes Y positifs. Donc là, c'est un plus. Voilà, ici on voir ce que ça donne. Okay. Et voilà, et maintenant j'appuie sur la touche bas, droite, gauche, haut. Donc là, ça y est, j'ai déjà un, un début de quelque chose. quoi. Alors, effectivement, euh, j'ai une maxi-fonction qui est hyper grosse, etc. Mais je peux faire des trucs assez chouettes. Quoi. Par exemple, si j'appuie sur ma touche. Euh, si j'appuie sur A, ça va aller de plus en plus vite. Et sur euh, S, ça va aller de moins en moins vite. Imaginons que je fasse ce genre de choses. Ah, Donc, si j'appuie sur ma touche A, je veux décrémenter la vitesse. VS moins égale 1. Et puis sur ma touche S, je vais augmenter la vitesse. Hop, je relance. Donc, et là, je vais faire aller. Non, ça se voit pas. Euh, deux petites secondes. J'essaie juste de print ça. De toute façon après on a terminé par rapport à tout ça. Et si on met VS VS nan pourcentage D VS je relance tac mon ah VS il augmente mais euh, j'ai pas l'impression que ça fait bouger grand chose en fait dans mes euh, dans mes trucs si je l'augmente de 10 en fait et si on de voir ce que ça donne Ça fait pas grand chose, je sais pas. je sais pas pourquoi ça avance pas de plus en plus vite. Bon, alors, il faudrait que je puisse débugger, etc. Mais bref, l'idée générale, elle est là. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Euh... Mais oui, oui, oui. Là, je dis oui. Oui, parce qu'en fait. Euh... Là je, je bouge VS, sauf que Vs je l'utilise que quand je change de, de, de que quand je change de direction en fait. Donc ce qu'il faudrait c'est que je fasse égal 1. En fait c'est ça, ici 1, 1, 1, et là je fais Vx plus VS fois VS. Voilà. Voilà, on va faire ça. Et ici, il ne faut pas que je fasse 10 parce que Voilà, c'est qu'en fait, ici, mon VX, ça sert à me dire est-ce que je vais plutôt vers les positifs, les négatifs en X ou en Y. Et après, le VS, je peux l'incrémenter et le décrémenter. Et du coup, après, je rajoute à PX et PY euh, est-ce que je vais à droite ou à gauche ou en haut et en bas. Et je le multiplie par la longueur avec laquelle je me déplace qui va être symbolisée par VS. Donc je suis là. Là, j'appuie sur S, ça va aller de plus en plus vite. J'appuie sur A, ça va aller de moins en moins vite. Et d'ailleurs, même ça va aller dans l'autre sens. Quoi. Et puis là, j'appuie sur mes touches. Et puis là, j'ai un segmentation fault. Et je pense que c'est exactement le meilleur moment pour s'arrêter. Donc voilà un petit peu euh, un mode de fonctionnement, en fait, pour pouvoir euh, commencer à utiliser, explorer euh, cette lib et euh, faire de, de belles choses. Et puis, euh, je, je, je reviendrai probablement un peu plus tard. Pour, pour, pour faire des, 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 des applications peut-être un peu plus affûtées. Merci Mika pour ton follow. En tout cas, voilà. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère que euh, les explications ont été euh, claires. Je sais que je me suis un petit peu embrouillé ici dans l'explication des pixels. Mais euh, toujours est-il que bah, voilà, vous avez un bout de code que vous allez pouvoir reprendre, refabriquer. Et puis euh, surtout, la, la clé en fait, de la réussite. Euh, c'est vraiment de pouvoir être capable de naviguer en fait à travers tous les fichiers H euh, pour essayer de, parce qu'en fait ça va être dans les fichiers H que vous allez trouver des informations. Donc euh, soyez curieux, essayez de voir, rentrez dans Shader et puis commencez à regarder ce qu'il y a dedans et euh, essayez de vous dire bah, écoutez comment est-ce que je peux essayer de mettre en place ce shader là, à quoi ça correspond et comment est-ce que je pourrais l'utiliser, m'interfacer avec lui quoi. Donc euh, oui la clé de la réussite c'est le segfault également. Bah, qui sait fault veut dire euh, celui qui sait que fault ça veut dire que c'est quelqu'un qui a testé quelque chose donc euh, c'est aussi un, un, une façon d'avancer et de réussir quoi. donc euh, bah, je vous souhaite bon bon, euh, bon week-end amusez-vous bien avec euh, cette livre et puis euh, j'espère euh, voir rapidement euh, de belles choses euh, fleurir quoi. je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent week-end ciao ciao